Belle journée. Qu'est-ce que c'est? Qui est entré chez moi? Qu'est-ce que... Je suis comédien, ok? Putain, c'est quoi ce délire, mon Dieu? L'autre jour, la maison hantée, maintenant des gens qui pénètrent chez moi. Qu'est-ce que c'est, une énigme? Une boîte? Jumanji? Je serai l'élu. L'élu de ma bite! Bien. Où êtes-vous? Vous vous cachez, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, venez là maintenant! Venez là! Qu'est-ce que c'est? Non, c'est un mur. Ce qui se passe là est réel. Aucune nuance. Il y a une boîte là. Je sais pas ce que c'est. Mais je veux en avoir le cœur net. Mister V, courir. Pourquoi courir? Je dois courir, ok. Apparemment. Ok, ça fait 45 minutes que je cours dans l'appartement. J'espère avoir plus en plus d'informations sur la suite du jeu. Mais apparemment, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Je vous tiens. Demain pour plus d'informations. Yo tout le monde, voilà, suite à la story d'hier, j'ai préféré jeter la boîte, je vous explique pourquoi. J'ai passé une nuit tourmentée, cauchemar sur cauchemar, je pense que ça en était la raison. Donc voilà, vous la reverrez plus dans mes stories. Je... Non, 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 non. Oh. Quelqu'un est revenu. J'en ai maintenant la preuve formelle. Qui est là? Vous êtes là? Si vous êtes là, tapez trois fois sur le mur. Qui est là? C'est formel, c'est réel. Vous l'avez vu comme moi, cet appartement est hanté. Putain, mais pourquoi? Faut que je me casse, faut que je me casse. Non, non, calme-toi. Calme-toi. Fais une sieste, fais une sieste, ok. Une sieste. C'était où une sieste? Ça, tu es personne, une sieste. Là, je pense que deux fois ça devrait aller. Maintenant, la boîte devrait. Non, non, non! Ok, il y a un point que je n'avais pas encore soulevé. Que font alignés ces quatre tableaux dans mon appartement? Ont-ils un sens? Une représentation? Comme Da Vinci Code? Attendez. Ok, Coca-Cola. Pow. Beethoven. Ça y est, vous avez compris? Parce que pas moi. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Je crois que mon appartement est tenté par une Ok, il y a peut-être des taches de sperme. Ok, on a. On a donc. Je me barre dessus. On a donc une femme actrice pour un gros tété et cette boîte. Mais c'est peut-être ça la solution qui permettrait de anéantir le sort qu'on ne sait pas trop ce que c'est, mais ouais. Alors, je l'ouvre ou pas? C'est marrant, c'était mon numéro au basket. Azix TJ. Ok. Mister Vicourir. Ok. Mais qu'est-ce que. Pourquoi il y a. Il y a ça? C'est. Mais qu'est-ce que. Go, 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 go!
Voilà, voilà tout ça pour ça. Un putain de rêve devenu réalité. Je sors ma première paire, première collab avec ASICS et Courir. Voilà, ça se vendra uniquement dans les stores Courir. Il y a deux paires. Il y a deux paires en fait. Donc voilà. Et voici donc les deux modèles. Là, on a la gel like, le modèle un peu plus old school, avec des nuances de bleu vers le noir, de l'or. Et ici, l'hyper gel like, donc le modèle un peu plus récent avec des petites pastilles noir bleu. Tac, tac, tac. C'est chez Courir. Bang!